Bonsoir et bienvenue à notre dernière séance du conseil d'agglomération régulière en ce 17 décembre. Alors, donc, avant de débuter nos travaux, je nous inviterai à une minute de recueillement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, pour débuter l'ordre du jour avec le point 1, la période de questions du public. Alors, vous avez tous reçu, j'imagine, la liste des questions. Nous avons 9 citoyens qui se sont prévalus de la période de questions. Alors, la première question est sur l'itinérance et augmentation de la criminalité Milton Park. Elle est adressée à Alex Norris ou Luc Rabouin. Et ça nous vient de Mme Martine Michaud, qui est de l'organisme, une association de résidents de Milton Park. Alors, la question va comme ceci. Dans Milton Park, nous vivions en harmonie avec les itinérants. Depuis 2 ans, l'arrivée d'Open Door a engendré leur surpopulation. Conséquences, vol, vandalisme, insalubrité, prostitution, vendeurs de crack et proxénètes armés. Placer des gens ainsi en mode 24/7 sur une rue passante, bordée d'appartements dans un sous-sol d'église vétuste, sans fenêtres, sans cour extérieure, ce n'est pas de la compassion, mais de l'abus. Nos trottoirs sont bloqués par des gens intoxiqués qui quêtent ou y sont couchés. Ils toussent, nous crachent au visage, nous lancent des bouteilles. Leurs cris nous réveillent la nuit et nos ruelles insalubres attirent les rats. Nous ne voulons pas devenir la première zone rouge écarlate de COVID du Québec. Imposer une telle surpopulation d'itinérants dans Milton Park est inadmissible. Notre sommeil, sécurité et santé en souffrent. L'heure n'est plus à la culpabilisation des résidents. Que propose le conseil d'arrondissement comme solution durable à notre problème? Alors, je vois Mme Nathalie Goulet qui lève la main. Alors, Mme Goulet, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci, Mme Michaud, pour votre question. Alors, vous le savez, là, notre administration avec ses partenaires déploie des mesures sans précédent cet hiver pour soutenir les personnes en situation d'itinérance. Il y a 1600 places en hébergement d'urgence et en halte chaleur qui sont disponibles. 9 haltes chaleur partout sur le territoire, des navettes, des services de cohabitation sociale et de médiation sociale. Et donc, il y en a une halte chaleur qui s'est ouverte à porte ouverte, Open Door, dans le secteur Milton Park. Depuis le 1er décembre dernier, ça a permis à ce centre de jour-là d'ouvrir 24 heures et 7 jours par semaine. Évidemment, ça amène des enjeux de cohabitation sociale importants dans le secteur, plus de monde qui sont là plus longtemps. Hier, s'est tenue la première assemblée citoyenne sur cette question-là de Milton Park et d'Open Door. 80 personnes étaient présentes, j'ai eu le plaisir d'y assister et ça a été organisé par l'arrondissement qui a pu entendre une grande série d'intervenants. Le maire était présent, les conseillers, les députés provinciaux et fédéraux, le CIUS, évidemment, qui est responsable de la coordination des mesures d'urgence, et le PDQ 38. Donc, tout le monde a entendu les préoccupations des citoyens et certainement, il y aura une collaboration plus soutenue par la suite. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de répondre à 2 autres questions où je pourrai entrer un peu plus en détail. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mme Goulet. Alors,
question technique, je ne vois pas sur l'écran bleu le minutage. Donc, si c'est possible de le voir apparaître, merci. Alors, deuxième question, toujours sur l'itinérance et l'augmentation de la criminalité, nous vient de Mme André Deveau, de l'organisme d'échéance de Milton Park, ou c'est plutôt le sujet. Elle est adressée à Mme la mairesse Valérie Plante. Quelles mesures comptez-vous mettre en place dans le quartier Milton Park pour contrer la criminalité, drogue, prostitution qui s'installe et s'intensifie depuis l'ouverture 24/7 d'Open Door? Alors, Mme Goulet, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame Deveau, pour votre question. Alors, comme je le disais, s'est tenue hier une première assemblée citoyenne où est venu beaucoup de monde et beaucoup de gens et tous les intervenants du secteur étaient là pour écouter les préoccupations des résidentes et des résidents. Sachez qu'il y a un groupe de travail qui existe déjà à l'arrondissement en cohabitation sociale et ça permet une collaboration directe entre tous les intervenants. Ce qu'on a pu apprendre hier, c'est que il y a vraiment eu un dialogue instauré, puis beaucoup d'informations diffusées pour les résidents de la part des trois organismes communautaires qui s'occupent des personnes en situation d'itinérance dans le secteur. Donc, Plein Milieu était là. Plein Milieu fait du travail de proximité, puis de la médiation sociale et de l'accompagnement. Ex aequo était là, qui fait de la médiation culturelle dans l'arrondissement. Et évidemment, Porte Ouverte et Open Door, qui a pu expliquer tous les services qu'il faisait. Donc, je pense que cette information-là a certainement été très utile pour les résidents. Et comme le maire Luc Rabouin le disait hier, il y a un vrai dialogue là, qui s'installe. Il y aura d'autres réunions de ce genre à l'avenir. Tout le monde est très conscient qu'il faut mieux soutenir et développer davantage de services dans l'arrondissement. Merci. Merci beaucoup, Mme Goulet. La troisième question, qui est une première question sur les taxes foncières à Outremont, nous vient de M. Philippe Gravel. Alors, elle est adressée à M. Doré. Quelle sera la hausse du compte de taxes de l'unifamiliale moyenne à Outremont pour 2021 en dollars quant à la taxe locale et à la taxe générale? Comment cela se compare-t-il à la hausse de l'unifamiliale moyenne pour l'ensemble de la ville de Montréal? Merci. Est-ce que M. Doré… Oui, tout à fait, je suis là, Mme la Présidente. OK, je ne voyais pas votre petite main. Allez-y, M. Doré. Je n'avais pas mis ma petite main, j'avais ouvert ma caméra. Donc, merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Ça me fait plaisir de demander à M. Tomlinson de pouvoir vous envoyer la réponse. Donc, on va pouvoir regarder ces données-là. Et M. Tomlinson, votre maire, pourra à ce moment-là communiquer avec vous les différentes informations que vous demandez. Ça sera fait avec plaisir. Merci, M. Doré. Alors, la quatrième question, qui est une première question sur la gouvernance de Côte-des-Neiges à Notre-Dame-de-Grâce, nous provient de M. André Francioni. Le sujet, Alain Baum, question adressée à Mme Valérie Plante. The Controller General, Alain Baum, has recently been reprimanded by tribunals for failing to respect the our organization chart in distributing copies of reports in his charge to the wrong people. His failings don't stop there. Just last Friday, a Quebec Superior Court ruling by Honorable Bernard Sinot reprimands Bond for failing to respect the Cities and Towns Act of Quebec by interfering with Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce Mayor Montgomery's right to executive powers in the borough. The damage this has caused Mayor Montgomery, her chief of staff, Annalisa Harris, and the citizens of the borough of Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce is egregious. Given the importance of Alain Baum's role in the city and his failings in a subject in which he should have expert knowledge, will you be seeking to dismiss Bond soon? Alors, M. Limoges va répondre à la question. M. Limoges, à vous. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Je remercie le citoyen pour sa question. Effectivement, nous allons prendre acte du jugement qui a été rendu la semaine dernière et nous allons très bien l'analyser. Ceci dit, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on commande publiquement à ce stade-ci
une décision de ressources humaines qui vient de faire l'objet d'un jugement. Nous allons l'analyser et nous allons en tirer les conséquences. Merci. Merci, M. Limoges. La cinquième question, qui est une troisième question sur l'itinérance pour Milton Park, alors nous vient de Mme Sandrine Rodius Van Dungen. Pour la mairesse, Mme Valérie Plante, la cohabitation résident itinérant Park Milton devient très difficile. Structure insuffisante et inadéquate pour accueillir convenablement le nombre croissant de sans-abri. Les résidents et commerçants ont beau être coopératifs, ils ne peuvent pas pallier à un manque flagrant de services appropriés pour une population qui a des besoins multiples et complexes et qui se retrouve à squatter sur les trottoirs, les entrées résidentielles et commerciales. Peut-on envisager, un, d'affecter des ressources spécialisées pour leur venir sérieusement en aide et, deux, respecter la vie des résidents qui, rappelons-le, versent des taxes substantielles à la ville? Alors, peut-être pourrait-on parler de vivre ensemble, bilan, une dégradation progressive et une situation pour les résidents immédiats devenue invivable et peu sécuritaire pour les femmes au point que nombre d'entre eux pensent déménager. Ce projet, parti de bonnes intentions, certes, est privé des moyens pour perdurer dans le temps. Alors, Madame Nathalie Goulet, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Rodius Van Dungen, pour votre question. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, hier soir s'est tenue la première assemblée citoyenne depuis l'ouverture de la halte chaleur 24h07 à Open Door le 1er décembre dernier. Évidemment, qu'il y a comme un équilibre dans le quartier qui a peut-être été rompu là depuis ce temps-là, mais il y a de bonnes idées constructives qui ont été soulevées. Par exemple, de mettre en place un comité de bon voisinage qui impliquerait les résidents du secteur puis qui pourrait travailler conjointement avec le groupe de travail de l'arrondissement qui est déjà en place sur la cohabitation sociale et qui déjà rassemble tous les partenaires du secteur impliqué. Beaucoup d'infos ont été diffusées, notamment sur le 311 pour les enjeux de propreté. Le PDQ 38 était présent et le commandant a expliqué comment il peut intervenir. Et les organismes du secteur ont aussi fait connaître leurs services. Mais c'est évident qu'on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que le secteur de la santé, notamment, soutienne mieux la mission des organismes communautaires. La ville fait sa part, mais les vrais leviers financiers sont particulièrement à la santé. Et on espère pouvoir collaborer avec le ministère pour débloquer des fonds spéciaux pour mieux intervenir en cohabitation sociale. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mme Goulet. Alors, la sixième question, qui est une première question sur le stationnement hivernal Rosemont-la-Petite-Patrie, nous provient de Mme Julie Chaput et elle s'adresse à M. Limoges. Bonjour, à quel conseil doit-on s'adresser pour une question concernant le stationnement d'hiver pour le secteur Saint-Édouard, s'il vous plaît? Bien, en fait, Madame Chaput, vous pouvez vous adresser à tous les conseils, mais j'entends pas de questions précises dans votre question. Ceci étant dit, j'imagine que vous avez laissé des coordonnées. Alors, ce que je m'engage à faire, c'est vous appeler demain matin ou demain en fin de matinée pour voir quelle est votre question puis voir comment je peux y répondre. Et si on n'arrive pas à trouver des solutions satisfaisantes à votre question, on trouvera des moyens là de que vous ayez les réponses que vous souhaitez. Merci beaucoup, M. Limoges. Septième question nous provient, c'est une deuxième question sur la taxe foncière d'Outremont. Elle nous provient de Mme Micheline Maranda. Alors, elle est adressée à Mme Plante. Le journal Métro rapportait que Projet Montréal compte demander à ses candidats souhaitant briguer la mairie d'un arrondissement d'améliorer leurs compétences en gestion. Je vous félicite pour cette initiative. Cela fait maintenant plusieurs fois que je demande au maire Tomlinson, Projet Montréal, de répondre à cette question fort simple. De combien va augmenter en dollars le compte de taxes local et général de l'unifamiliale moyenne à Outremont en 2021? Encore lundi dernier, ma question est demeurée sans réponse. Au début, je pensais que M. Tomlinson refusait de répondre pour cacher son embarras d'avoir affirmé au budget que la taxe locale allait baisser. Certains affirment plutôt qu'elle va augmenter. Mais lors de ses dernières réponses, M. Tomlinson prêchait l'incapacité à faire ce calcul, pourtant assez élémentaire dans la gestion d'un budget municipal.
À défaut d'avoir une réponse de M. Tomlinson, est-ce que quelqu'un de l'administration peut répondre à ma question? Je vais y aller, Madame la Présidente. M. Doré, allez-y, à vous la parole. Très bien. Alors, bonsoir, Madame Maranda. Donc, c'est peut-être pas l'affaire la plus élémentaire qu'il n'y a pas. Hein. Il faut des calculs vraiment très, très, très importants pour être capable d'arriver à des moyennes comme ça par arrondissement et par typologie de bâtiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que M. Tomlinson puisse vous répondre par écrit et vous donne les informations, tout comme je l'avais fait pour M. Gosselin un petit peu plus tôt dans la séance. Donc, vous aurez ces réponses avec plaisir. Merci beaucoup, M. Doré. Huitième question, nous provient de M. Lucien Pigeon, qui s'adresse à Mme Plante. Notre survie en tant qu'espèce dépendra de notre capacité à comprendre nos plans climat afin de se développer et de vivre avec une nouvelle façon de penser et d'agir. Pour ce faire, les plans climat doivent être accompagnés de vidéos et d'informations claires et courtes pour faciliter la compréhension du changement de comportement requis de la population, surtout quand ces objectifs ambitieux sont très difficiles à atteindre. Quelle assurance avons-nous que tous nos efforts et sacrifices pour atteindre les objectifs du plan climat ne permettront pas tout simplement aux bêtes capitalistes à haut niveau gouvernemental d'en profiter pour polluer encore plus? Pouvez-vous prendre connaissance du document suivant, maîtriser la bête capitaliste.pdf? Il y a un document qui est joint à la question. Monsieur Limoges. Oui, Monsieur Pigeon, merci pour votre question et pour votre passion envers l'environnement et la crise climatique. On sait que c'est une passion qui vous habite. J'apprends aussi acte du fait que vous nous donnez des conseils de communication pour le plan climat en faisant entre autres des vidéos. Je transmettrai votre préoccupation à la porteuse de dossier, Mme Lavigne-Lalonde, parce que effectivement, tout ce qu'on peut faire pour bien le communiquer, on va le faire. On en est fiers de ce plan-là. Pour ce qui est de maîtriser la bête capitaliste, je n'ai pas encore pris connaissance du document que vous joignez à votre question, M. Pigeon. Comme toujours, on va le regarder avec intérêt. Mais pour l'instant, nous, comme je vous le rappelle souvent au niveau municipal, on vient d'adopter un plan climat qui est ambitieux, dont la mairesse et Mme Lavigne-Lalonde peuvent être très fières, qui va nous mener très loin et dont les objectifs sont extrêmement ambitieux. Alors, je m'engage à regarder la documentation que vous nous envoyez, mais je vous invite en contrepartie à lire attentivement le plan qu'on vient de déposer. Je pense que vous y trouveriez un objet de fierté. Merci beaucoup, M. Limoges. La dernière question, la neuvième, qui est une première question sur le décorum, elle nous provient de M. Marc Poulain. Et elle est adressée à M. Limoges. Lors de la séance du budget, je posais en tout respect une question factuelle à M. Tomlinson, Projet Montréal, sur l'estimé du déficit de l'arrondissement Outremont en 2020. Dans sa non-réponse, car il n'a pas répondu à la question, M. Tomlinson s'est plutôt permis une attaque personnelle gratuite à mon égard. On apprend par ailleurs que l'administration entend contrôler les questions des citoyens pour s'assurer qu'elles soient respectueuses. Soit, mais qu'en est-il des réponses des élus? Lundi soir, vous m'avez répondu qu'il n'était pas du ressort de la présidence de protéger les citoyens des attaques personnelles que les élus pouvaient leur adresser dans leurs réponses. Pourtant, les citoyens sont sans défense, n'étant pas présents pour invoquer des questions de privilèges comme les élus peuvent le faire. Dans la mesure où vous réexaminez les procédures de la période de questions citoyennes, envisagez-vous de les modifier également pour protéger les citoyens des attaques des élus? Monsieur Limoges. Oui, Monsieur Poulain, effectivement, c'est sûr que on veut s'assurer que tout le monde réponde de manière respectueuse et polie, tant les citoyens que les élus. Et ça, c'est un message sur lequel on va toujours insister. Je pense que quand la présidente a dit que nous allions resserrer les critères pour les questions qui étaient lues, c'est-à-dire qu'en ce moment, en pandémie, les citoyens ne sont pas dans la salle, comme vous le savez. Nous lisons verbatim les questions. Il n'y avait pas de lecture qui se faisait préalable. Et dernièrement, il y a eu des propos très injurieux qui se sont retrouvés dans les textes des questions. Et c'est simplement ça qu'on veut filtrer. Si vous sentez que M. Tomlinson vous a manqué de respect, je vous invite à lui en parler. Mais c'est certain que nous insistons de part et d'autre, là, autant pour les citoyens que pour les élus, qu'il y ait un décorum élémentaire et que le respect de la personne soit au cœur de la façon dont on s'adresse les uns aux autres. Merci beaucoup, M. Limoges. Alors,
la période de questions étant terminée, ça nous amène à la point 2 de l'ordre du jour, qui est la période de questions des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions à l'administration? Je ne vois aucune main se lever, aucune intervention est demandée. Alors, monsieur le porte-parole, je vous amènerai à l'ordre du jour sur le point 3, l'ordre du jour et procès-verbal, section 3. Oui, madame la présidente, alors je propose l'adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée du conseil d'agglomération et je serai appuyé par Benoît Doré, président du comité exécutif, pour ce point comme pour tous les points subséquents de ce conseil. Là, je cherche. Oui, monsieur Massella, c'est bon. Oui, alors c'est adopté pour le 3.01. Madame la présidente, pour des questions de procédure, je demanderai tout de suite à M. Massella s'il acquiesce au regroupement de points par bloc de 5 pour l'ensemble du conseil, plutôt qu'on demande à chaque fois. On gagnerait quelques... Bon. Aucun problème de notre côté, Madame la présidente. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est adopté pour les regroupements. Parfait, merci beaucoup, M. Massella. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, en 3.02, on approuve le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil d'agglomération du 19 novembre dernier. C'est adopté. En 4.01. Section 4. Oui, ce sont des dépôts, ce sont les dépôts des fonctionnaires et du comité exécutif. En 4.01, je dépose la liste des contrats octroyés par le comité exécutif. C'est un dépôt, c'est bon. En 4.02, je dépose la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. C'est beau. En 4.03, je dépose la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires. C'est bon. En 4.04, je dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et l'administration. Oui, c'est bon. En 4.05, je dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur les finances et l'administration. C'est bon. Section 5, dépôt de réponse aux questions écrites des membres du conseil. S'il y en a, c'est le temps de les déposer. Aucune demande d'intervention. Alors, M. le porte-parole, je vous amène à la section 6, dépôt de rapport des commissions du conseil. Avec plaisir, il n'y en a qu'une en 6.01, c'est le dépôt du rapport des recommandations de la commission sur le transport et les travaux publics intitulé « Réussir la transition vers la mobilité durable, comment aller plus loin ». Non, je ne vois aucune demande d'intervention. Donc, on peut procéder, vu que c'est un dépôt, on continue avec la section 7 des dépôts, 7.01. Oui, en 7.01, c'est le dépôt de la résolution 20-05-12 du 12 mai 2020 désignant le conseiller Pulkit Kantawala comme représentant de la ville de Dollard des Ormeaux au conseil d'agglomération pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. C'est un dépôt. En 7.02, je dépose le rapport portant sur l'exécution de travaux d'urgence de sécurisation des parois de la falaise de la voie Camille-Lien-Houd. Oui, c'est un dépôt. En 7.03, c'est le dépôt du bilan de l'usage de l'eau potable 2019. C'est bon. En 7.04, c'est la résolution CA20-08-0581 du Conseil d'arrondissement de Saint-Laurent. C'est bon. En 7.05, c'est le dépôt du document intitulé Plan climat 2020-2030. Oui, c'est bon. En 7.06, c'est le dépôt du plan stratégique Montréal 2030. Oui, c'est bon. Dépôt de pétition, section 11. 11.01, s'il y a des pétitions déposées, c'est maintenant. Aucune demande d'intervention. Donc, monsieur le porte-parole, la section 20 des affaires contractuelles. Oui, alors je vais regrouper tel qu'entendu avec monsieur Massella les items 20.01 à 20.05. En 20.01, oui. on exerce l'option de renouvellement de 12 mois dans le cadre du contrat accordé à UBA Inc. En 20.02, on exerce la deuxième option d'une année de prolongation dans le cadre de l'entente cadre conclue avec IBM. En 20.03, on exerce l'option de deux années de prolongation encore dans le cadre de l'entente conclue avec IBM. En 20.04, on exerce l'option de deux années de prolongation dans le cadre de l'entente cadre conclue avec IBM encore. En 20.05 et en 20.05, on conclut une entente cadre avec 3 diamants auto. Donc, il n'y a pas de demande d'intervention. On m'indique que c'est adopté à l'unanimité. Parfait. Je vais réunir les items 26 à 20-10. Et en 26, on exerce la deuxième option de prolongation dans le cadre du contrat accordé à Entretien avant-gardiste. En 20-07, on exerce la deuxième option de prolongation dans le cadre du contrat accordé à Alphanet.
En 2008, on exerce la deuxième et dernière option de prolongation dans le cadre du contrat conclu avec 91-69-98-35 Québec Inc. En 2009, on accorde un contrat de gré à gré à Gartner Canada Compagnie. En 2010, on accorde un contrat à Asplund Canada. Et c'est tout pour l'instant. Merci, M. le porte-parole. Alors, aucune demande d'intervention. C'est adopté à l'unanimité. Parfait. Alors, nous allons réunir 2011 à 2015. Et en 2011, on accorde un contrat de gré à gré à Bell Canada. En 2012, on exerce l'option de première prolongation dans le cadre du contrat accordé à Recyclage Notre-Dame et WM Québec Inc. En 2013, on accorde un contrat à Novipro. Et en 2014, on conclut une entente cadre avec Solotech. Et en 2015, on conclut une entente cadre d'une durée de 30 mois avec Gine Innovation. Merci beaucoup. Aucune demande d'intervention. C'est adopté à l'unanimité. Parfait. Nous allons réunir les items 2016 à 2020. Et en 2016, on conclut une entente cadre avec Stellem Canada. En 2017, on ratifie une dépense additionnelle de 163 825 dans le cadre du contrat accordé à Dimco DL. En 2018, on autorise la prolongation du contrat de service professionnel et on autorise une dépense additionnelle de 50 000 au centre de recherche et de traitement des eaux de l'École polytechnique de Montréal. En 2019, on exerce l'option de renouvellement d'une année dans le cadre des ententes cadres avec Nova Concept, Médial Conseil Santé Sécurité et Alia Concept. Et en 2020, on accorde un contrat de service professionnel de gré à gré à TotalMed Solutions Santé. Bon, là, j'essaie de grossir mon écran pour voir qui a levé sa main. C'est moi, Madame la Présidente. Ah, M. Massella, d'accord, je vois. C'est trop petit. Alors, oui, allez-y, M. Massella. Je pense qu'on avait décidé, juste avant le début de la réunion, de retirer le 2016 jusqu'à la prochaine réunion de conseil. M. Massella a entièrement raison, et c'est mon erreur. C'était pour voir s'il écoutait, en fait. C'était pour tester son attention. Mais effectivement, le 2016, la fourniture de pièces de rechange pour bornes d'incendie, je vais le reporter. En fait, je le retire de l'ordre du jour. Et merci, M. Mazella, de vos yeux de lynx, parce que dans le feu de l'action, j'étais emporté par l'enthousiasme. Donc, il faudra, à l'adoption de l'ordre du jour, noter que ça a été adopté avec le retrait du 2016. Donc, je comprends, n'ayant pas d'autre intervention, que le 2017 à 2020 inclusivement sont adoptés à l'unanimité. Monsieur le porte-parole. Oui. Madame la Présidente, nous allons réunir les items 2021 à 2025. Et en 2021, on autorise la deuxième prolongation et on autorise une dépense additionnelle de 182 292 pour la réalisation d'examens médicaux de pré-emploi pour la Ville de Montréal. En 2022, on appuie l'entente entre les villes de Montréal et Montréal-Est relativement à l'aménagement de la voie cyclable sur l'avenue Broadway. En 2023, on approuve l'addenda à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et l'Alliance des manufacturiers exportateurs du Canada. En 2024, on accorde un soutien financier non récurrent de 420 000 $ à l'École des entrepreneurs du Québec. Et en 2025, on approuve le renouvellement pour une période d'un an comptée du 1er janvier 2021 de l'entente entre le ministre de la Justice, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec et la Ville de Montréal. Merci beaucoup, M. Limoges. Aucune demande d'intervention. C'est adopté à l'unanimité. Merci, Madame la Présidente. Nous allons réunir les items 2026 à 2030. En 2026, on approuve la modification du bail intervenant entre la Ville de Montréal et 92-29-51-38 Québec Inc. En 2027, on approuve la deuxième convention de modification du bail intervenant entre la Ville et 91-69-62-60 Québec Inc. En 2028, on accorde un soutien financier de 250 000 $ échelonné sur 5 ans à la chaire de recherche mobilité de la Corporation de l'École polytechnique. En 2029, on accorde un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal pour soutenir la réalisation de son plan d'action 2020. Et en 2030, on approuve l'addenda 1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et le Cégep du Vieux-Montréal. Merci beaucoup. Aucune demande d'intervention. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur le porte-parole, vous pouvez poursuivre avec le 2031. À 2035, que nous allons réunir. Et en 2031, on accorde un soutien financier de 150 000 $ à Triathlon International de Montréal. En 2032, on approuve l'addenda 1 à la convention intervenue entre la Ville et Culture Montréal.
En 2033, on approuve l'addenda à la convention intervenue entre la ville et l'accélérateur EcoFuel. En 2034, on accorde un soutien de 1 215 000 $ pour soutenir le Conseil de l'économie sociale de l'île de Montréal. Et en 2035, on accorde un contrat à CIT Intégration Plus Inc. Merci beaucoup. Aucune demande d'intervention. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons réunir les items 2036 à 2040. Mm-hmm. En 2036, on conclut une entente cadre avec le Centre d'acquisition gouvernementale pour la souscription de gestion de l'information des événements de sécurité QRadar on Cloud d'IBM. En 2037, on approuve la reconduction de l'entente cadre de la convention de prêt de service entre le bureau du taxi et la Ville de Montréal. En 2038, on accorde un soutien financier totalisant la somme de 371 525 $ à 5 organismes. En 2039, on adopte les avenants 2022 et 2023 au contrat de près de 60 millions entre la ministre de l'Économie et de l'Innovation de la Ville de Montréal. Et en 2040, on accorde un contrat de gré à gré à Modelium. Merci beaucoup. Alors, n'ayant aucune intervention, les points sont adoptés à l'unanimité. Alors, 2041. À 2045 que je regroupe. En 2041, on autorise une dépense additionnelle de 50 000 $ pour accompagner la Ville de Montréal à titre d'expert. En 2042, on accorde un contrat à groupe LAR. En 2043, on accorde un contrat de service professionnel en ingénierie et architecture au regroupement SNC-Lavalin Réalpol Architecte. En 2044, on accorde un contrat à Sogica. Et en 2045, c'est un dossier qui a fait l'objet d'un amendement au conseil municipal. Alors, c'est d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert des YMCA du Québec au fin de parc et logements sociaux, un terrain vacant situé entre l'avenue Hampton et l'avenue Royale. Et est-ce que, Madame la Présidente, je dois lire l'amendement où il a été simplement envoyé? Est-ce que M. Saint-Dôme pourrait me confirmer si tous les membres du conseil d'agglo, donc des Villiers, ont reçu l'amendement? Monsieur Massella, non? Vous ne l'avez pas reçu? Alors, il faudrait peut-être... Alors, je vais le lire. Je vais le lire. Alors, parfait. L'amendement qui a été voté au conseil municipal en orientation était de remplacer dans le projet d'acte de vente la référence dans le préambule à la lettre remise à la Ville le 16 novembre 2020 par la lettre remise à la Ville le 13 décembre 2020. Autrement dit, c'est dans l'acte de vente lui-même, il y a un préambule. Dans ce préambule, il y avait référence à une lettre envoyée le 16 novembre et la référence a été changée pour la lettre remise le 13 décembre. On m'indique que d'ailleurs, je viens de recevoir moi-même là, par courriel l'amendement. Alors, parfait. Vous pourrez joindre ce document à vos autres documents. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non. Alors, M. Massella, c'est adopté? Oui, adopté à l'unanimité. Il reste deux items au chapitre 20, soit 2046 et 2047, que je vais regrouper. Et en 2046, on accorde un contrat de service professionnel à Deloitte pour l'audit externe des rapports financiers de la Ville de Montréal. Et en 2047, on approuve deux addendas aux ententes de délégation intervenant entre la Ville de Montréal et les six organismes PME Montréal. Merci beaucoup, M. Limoges. Aucune demande d'intervention, donc ces deux points sont adoptés à l'unanimité, ce qui nous amène au point, à la section 30 de notre ordre du jour, administration et finances. M. Limoges, allez-y. Oui, tout à fait. Je propose de réunir 30.01 à 30.05. Mm-hmm. Et en 30.01, on adopte une résolution visant à affecter la réserve financière générale pour le service de l'eau des sommes équivalentes aux revenus prélevés au moyen des cotes-parts. En 30.02, on adopte une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à certaines dépenses en immobilisation. En 30.03, on adopte une résolution établissant la cote-part générale et d'autres cotes-parts. En 30.04, on adopte une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à la réserve financière de paiement comptant destinée à financer des dépenses en immobilisation de compétences d'agglomération. Et en 30.05, on réaffecte la contribution prévue par la Ville de Montréal pour le Grand Prix du Canada en 2020 à la Société du Parc Jean-Drapeau pour une valeur de 1 100 000 $. Merci beaucoup, M. Limoges. Alors, j'ai une demande d'intervention avec M. Massella. C'est sur quel point, M. Massella? Si Madame la Présidente, ça sera sur le 30.03. C'est pour noter la décidence des Villiers. Pour le 30.03. Alors, je comprends que le 30.01, 30.02, 30.04 et 30.05 sont adoptés à l'unanimité, mais le 30.04 est adopté avec la dissidence des Villiers. C'est noté. Merci.
Monsieur le porte-parole, section 41, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Oui, j'ai deux avis de motion à donner. En 41-01, je donne l'avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 4 115 607 du cadastre du Québec. Et en 41-02, je donne l'avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 113 000 $ pour financer l'acquisition de matériel informatique. Situation des avis de motion, il n'y a pas de demande d'interpension. 42, adoption oui. de règlement. Exactement, je vais proposer de réunir les items 42-01 à 42-05. Et en 42-01, on adopte un règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées. En 42-02, on adopte un règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable. En 42-03, on adopte un règlement modifiant le règlement sur les dépenses mixtes. En 42-04, on adopte un règlement sur les tarifs de l'agglomération. Et en 42-05, on adopte un règlement modifiant le règlement créant les réserves financières destinées à financer certaines dépenses en immobilisation d'agglomération. Merci beaucoup, M. le porte-parole. N'ayant aucune demande d'intervention, ces points sont adoptés à l'unanimité. On poursuit 42-06. Oui, je propose de réunir les items 42-06 à 42-10. En 42-06, on adopte un règlement autorisant un emprunt de 950 000 $ pour financer les travaux des aménagements cyclables sur l'avenue des Pins. En 42-07, on adopte un règlement modifiant le règlement du Conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise. En 42-08, on adopte un règlement sur l'annulation du versement de l'indexation prévu au règlement sur le traitement des membres du Conseil d'agglomération et des membres des commissions et comités d'agglomération. En 42-09, on adopte un règlement autorisant un emprunt de 60 millions afin de financer les travaux aux aménagements cyclables. Et en 42-10, on adopte un règlement modifiant le règlement intérieur du Conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du Conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence. Merci beaucoup. Aucune demande d'intervention. Alors, c'est adopté à l'unanimité. La section 45, ce sont les règlements de la Société de transport de Montréal. Oui, je réunirai les deux items 4501 et 4502. Mm-hmm. Et en 4501, on approuve le règlement R036-4 de la STM. Et en 4502, on approuve le règlement R205 de la STM. Merci. Aucune demande d'intervention. Donc, 4501 et 4502 sont adoptés à l'unanimité. Section 50, ressources humaines. Oui, en 50-01, on autorise rétroactivement le prêt de service d'un policier du SPVM à l'Autorité des marchés publics. C'est bon, c'est adopté à l'unanimité. 51, les nominations et désignations. Oui, on va y aller un par un. En 51-01, je renouvelle les mandats de Mme Marie-Hélène Farley et de M. Pierre Fortin, titre d'administrateur indépendant du réseau de transport métropolitain, pour une durée de 4 ans. C'est adopté. Merci. En 51-02, ce sont des nominations à la CMM et il est proposé par moi-même, appuyé par M. Benoît Doré, de nommer Mme Caroline Bourgeois, titre de membre, au Conseil de la communauté métropolitaine de Montréal en remplacement de Mme Suzy Miron. C'est adopté. En 51-03, ce sont des nominations de commission permanente et il est proposé par moi-même et appuyé par M. Benoît Doré, de nommer Mme Sophie Thibault à titre de vice-présidente à la Commission sur l'examen des contrats en remplacement de M. Christian Arsenault et de nommer M. Sterling Downey à titre de membre à la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise en remplacement de Mme Sophie Thibault. Merci beaucoup. C'est adopté. La section 65, motion des élus. Cette fois-ci, nous avons une motion en 65-01. Oui. Et alors, c'est la motion du maire de la ville de Côte-Saint-Luc concernant le plan stratégique de développement du transport collectif 2021-2030 de la RTM. Je dois vous dire qu'elle a été amendée en conseil municipal. Alors, l'amendement vous est envoyé à ce moment. Il change dans les résolus. Le premier résolu change seulement un terme au lieu que ce soit que la ville. On dit que l'agglomération de Montréal. Même chose pour le deuxième résolu, on change la ville pour l'agglomération. Le troisième résolu est biffé et nous ajoutons deux résolus. Je laisse les membres du conseil peut-être les regarder eux-mêmes ou Madame la Présidente, vous tenez à ce que je les lise dans leur intégralité? Je regarde Monsieur Massella. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse la lecture, Monsieur Massella? Ou Monsieur Brownstein? Si vous pouvez adresser la question à Monsieur Brownstein. Oui.
C'est ça, M. Brownstein. Vous voulez qu'on lise l'amendement? Votre micro est fermé, M. Brownstein. M. Brownstein, si vous voulez ouvrir votre micro. Ouais, oui, je vais ouvrir maintenant. Oui, j'ai mon commentaire et je veux lire quelques-unes des considérants et j'ai tous les amendements. So je vais lire les conclusions aussi qu'on a fait ensemble. Et je veux remercier pour l'assistance en fait ces amendements qui donnent plus de l'appui à la résolution. So, moi, je peux le lire parce que je vais donner les commentaires aussi. D'accord. Alors, M. Brownstein, vous voulez lire la motion avec les amendements, avec les modifications? Oui, okay, j'ai tous les amendements dans les conclusions. So, je vais les lire exactement quand on s'est entendu avec M. Caldwell. So, parfait. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Mairesse et M. Caldwell, certainement M. Caldwell, pour tout votre travail dans ce dossier. Comme je vous ai dit, je vais lire quelques-unes des considérants pour que tout le monde comprenne ce qu'on parle et aussi les conclusions exactement qu'on a fait des amendements avec la Ville de Montréal et qui étaient présentés devant le Conseil de Montréal et le maire Montgomery et le maire de Souza lundi. Et tout le monde est d'accord avec ces conclusions. OK, so premièrement, le deuxième paragraphe des considérants. Le 27 octobre 2020, l'ERTM a lancé une grande consultation publique afin de finaliser son premier plan stratégique de développement de transport collectif 2021-2030 et identifie entre autres les priorités pour des projets structurants dans ces corridors porteurs. Le paragraphe 7, en mars 2019, dans le foulée de la consultation entourant le projet Royal Mount, un groupe de travail présidé par le professeur Julka Adno a été créé par la mairesse Plante et la ministre déléguée au transport et ministère de la métropole de la région de Montréal, Chantal Rouleau, pour proposer des solutions qui permettraient d'améliorer les conditions de circulation dans le grand secteur NDLS et sur les autoroutes, tout en appuyant une vision de développement durable du secteur. Le paragraphe 8, l'enjeu principal pour le secteur est la congestion routière et le groupe de travail, NDLS, a donc conclu qu'afin d'améliorer la situation, il fallait donc enclaver le secteur avec le prolongement du boulevard Cavendish, qui serait prioritairement réservé au transport collectif et ajouter une passerelle sur des carrés vers la station de la Savane et des passages en transport collectif et actif au nord et sud travers les voies ferrées. Les autres recommandations du groupe de travail étaient de renforcer vigoureusement l'offre de transport collectif, d'évaluer l'opportunité d'ajouter deux gares pour le train de Saint-Jérôme à Clan-Randall et au chemin de Côte-Saint-Luc, de créer une station multimodale desservant tous les moyens de transport rapide et actif. Paragraphe 14. Le 2 octobre 2019, l'Office de consultation publique de Montréal a reçu le mandat du comité exécutif de Ville de Montréal de réaliser une consultation publique pour la vision et les principes de mise en valeur de quartier Namur Hippodrome. Le rapport de OCPM, daté de 17 septembre 2020, est déposé au Conseil de la Ville de Montréal, a réitéré et renforcé les recommandations du groupe de travail NDLS à la fait que l'ensemble des mesures en transport et mobilité devront être mises en action avant d'entreprendre le développement du quartier. Ça, c'était le 16. Le 19, l'OCPM conclut afin de promouvoir le développement des quartiers, il est impératif pour la ville de poursuivre ses représentations auprès des instances de transport concernées, plus particulièrement les RTM. Les recommandations de l'OCPM qui identifient les solutions de transport des RTM comme intervenants de premier plan méritent d'être soulignées. La recommandation 19,
la Commission recommande de réduire de façon significative la congestion routière. Recommandation 20. La Commission recommande à la Ville d'améliorer le raccord de boulevard Cavendish à la rue Jante à l'ouest en adoptant des mesures apaisement pour évacuer tout transit menaçant la sécurité de ses résidents, la quiétude du quartier et l'intégrité du milieu naturel. Recommandation 24. La Commission recommande à la Ville de poursuivre des démarches auprès des instances concernées afin de mettre en place un plan de transport collectif intercollecté. Recommandation 26. La Commission recommande à la Ville de poursuivre ses recommandations auprès de l'ERTM afin qu'elle prenne en compte d'augmentation des déplacements dans le secteur Namur de la Sabane pour évaluer la faisabilité d'implanter une gare de train à l'intersection de la ligne de CP et de la rue Clan Ronald. La recommandation 24, la commission recommande à la Ville d'établir avec l'ensemble des acteurs concernés un réseau de mobilité active, intégrée et structurante. Recommandation 30, la Commission recommande la mise en place d'une formule intégrée de cocktail transport d'en faire la promotion. Le paragraphe 25, le succès des projets de requalification repose en matière partie sur la capacité de l'ERTM et des autorités publiques à poser des gestes structurants afin d'améliorer la connectivité de quartiers en favorisant l'utilisation de transports collectifs et de limiter les effets de l'arrivée de nouveaux ménages sur des axes routiers fortement congestionnés. Il est donc résolu, et ça c'est avec les amendements, que l'agglomération de Montréal donne suite aux recommandations des rapports de groupe de travail Namur de la Savane et du rapport de OCPM sur le quartier Namur Hippodrome visant à faire inclure le secteur NVLS dans les chantiers de grands projets de transport collectif de l'ERTM. Que l'agglomération de Montréal demande à l'ERTM d'inclure le transport NVLS et son corridor pourtour Jean Talon, Namur, Hippodrome, de la Savane, Cavendish, sur la liste de projets structurants de transport collectif dans son plan stratégique 2021 à 2030 afin de mettre en place un plan de transport collectif interconnecté répondant aux besoins des résidents et usagers présents et futurs du secteur. Que l'agglomération de Montréal demande à l'ERTM d'étudier des 2021, en collaboration avec les équipes de la Ville de Montréal et les différents parties prenantes, incluant les Villiers et le STM, la mise en place d'une des CR appropriée en transport collectif électrique structurant dans le secteur élargi de Namur de la Savane, incluant l'axe de boulevard Cavendish, nord vers le pôle économique Côte-de-l'Est, et sud vers le pôle économique Turcotte-Lachine-Est, et de proposer le mode approprié pour cette desserte dans le but d'obtenir un service convenable et efficace aux citoyens du secteur et de l'agglomération. Que l'agglomération de Montréal demande à l'ERTM de définir la portée de service proposé à un tracé optimal considérant les projets en transport collectif en cours de réalisation et ce donc l'étude est planifiée dans le projet de plan stratégique de développement de transport collectif déposé le 27 octobre dernier pour consultation publique. Et ça, c'est proposé par moi et appuyé par le maire de Roy. Je vais appuyer, Madame la Présidente. Et je vais vous demander si vous voulez, et c'est votre mon grand plaisir et honneur d'avoir vos noms ajoutés, Madame la mairesse Plante et Monsieur Caldwell. Ça va nous donner beaucoup de l'appui et vous avez travaillé très fort sur ça. Merci beaucoup, Monsieur Brownstein. Merci. Et alors, je passe
J'espère qu'il va dire oui, certainement, parce que je veux remercier Monsieur Caldwell pour tout son travail, tout son appui. Il était un très grand leader dans ce dossier. Il m'a appelé, il a travaillé très fort avec moi et avec le conseiller Dita Burko de la ville de Kotzeny, qui est le dossier de Cavendish et de transit. Et je donne un grand remerciement aussi à Dida et Monsieur Roy, Monsieur le maire de Souza et le maire Montgomery. Tout le monde a travaillé en équipe, mais c'était vous, Monsieur Caldwell, qui était le chef dans cette merci, résolution. Monsieur Brownstein, merci beaucoup. Le temps est écoulé. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai Monsieur Eric Allen Caldwell qui veut prendre la parole. Allez-y. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Ben oui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'appuie cette motion. La leçon, la conclusion, lorsque justement on a des projets d'infrastructure à Montréal dans un contexte de mobilité durable, dans un contexte de transition écologique, en phase avec l'aménagement du territoire, il faut toujours concevoir ces infrastructures de mobilité avec ce qui est la clé pour la mobilité durable, c'est-à-dire pour le transport des personnes, les transports actifs et les transports collectifs. Dans l'histoire de notre ville, on a souvent et avant tout conçu des routes plutôt que concevoir des corridors de mobilité. Et ça a été une des parties de l'histoire de Cavendish. Mais là, qu'on parle tous ensemble d'une même voix pour dire ce qu'on souhaite, ce qui est cohérent avec l'ensemble de nos objectifs environnementaux, ce que souhaitent les employeurs du secteur, ce que souhaitent les travailleurs du secteur, ce que souhaitent les résidents du secteur, c'est des solutions de transport collectif, des solutions performantes. Et toute la planification est faite en phase avec cet objectif fort qui est ici relayé dans la motion, qui est énoncé haut et clair et qui donne l'orientation pour la suite du dossier Cavendish. Donc, très fier. Merci beaucoup, Monsieur Brownstein. Très agréable de travailler avec vous dans ce contexte et je suis très content d'appuyer la motion. Alors, donc, Madame la Présidente, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, M. Caldwell. J'ai M. Limoges qui a levé sa main. Monsieur oui, je voulais simplement, avant qu'on termine, Madame la Présidente, dire que la mairesse aimerait s'adresser au conseil pour le traditionnel vœu des fêtes. Parfait, oui, merci. Vous êtes au courant. Merci. Oui, merci beaucoup. J'avais fait mes devoirs. Merci beaucoup, M. Limoges. Alors donc, le 105-01 est adopté à l'unanimité, Monsieur Limoges. Alors, on a épuisé les items à l'ordre du jour de notre dernière rencontre du Conseil d'agglomération régulière pour l'année 2020. Bye-bye 2020, on a bien hâte de pouvoir passer à autre chose. Mais avant de se quitter, je laisserai dans un premier temps la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et ensuite au maire de Montréal-Ouest, M. Benny Masella. Madame Plante. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et puis, merci pour votre travail, votre excellent travail. Je salue également, j'en profite pour saluer le Président qui est là lorsque vous ne l'êtes pas. Et je parle de Monsieur Coutu, toute l'équipe du greffe qui vous appuie. Alors, merci beaucoup pour votre travail, Madame la Présidente. Vous l'avez bien dit, bye-bye 2020. Hein, je pense qu'on est beaucoup dans cet état d'esprit-là. Mais je tiens vraiment à saluer le travail de tous les élus municipaux qui, au cours des 9 derniers mois, ont travaillé extrêmement fort pour être présents auprès de leurs citoyens et citoyennes. C'est un moment, une crise sans précédent que personne n'a vu venir. On savait pas trop comment réagir face à ça, mais on a été à la hauteur du défi. Alors, merci à vous tous et toutes. Et je vous souhaite vraiment du repos. Je pense que c'est important. L'année 2021 sera une grande, entre autres parce que la pandémie ne sera pas derrière nous. Oui, il y a de la lumière au bout du tunnel avec le vaccin, mais disons qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge. Alors, je vous souhaite du repos, d'en profiter avec votre famille, hein, votre bulle familiale, puisque on devra fêter différemment cette année. Mais là aussi, je pense qu'on peut garder en tête que l'année prochaine, on fera un gros party quand tout sera rétabli ou en tout cas quand on sera mieux protégé contre la COVID. Et merci encore à tous et toutes et je vous souhaite un joyeux Noël et de très joyeuses fêtes. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Monsieur le maire de Montréal-Ouest, Monsieur Benny Masella. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la mairesse. J'aimerais ajouter mes quelques mots à les vôtres. Seulement pour souhaiter une joyeuse temps des fêtes à tous mes collègues du Conseil d'agglomération. Nous avons vécu une année vraiment extraordinaire
qui a demandé à nos équipes de faire preuve de créativité et beaucoup de flexibilité. Comme Madame Plante a mentionné, l'annonce de l'arrivée du vaccin nous laisse croire que les changements ne peuvent aller que mieux. Mais cependant, il faut pas baisser le garde et rester attentif. Je veux saluer particulièrement nos employés, les employés du municipal du front, notamment les pompiers, les policiers et policières. Et je veux aussi saluer mes collègues, ceux qui travaillent au milieu de la santé depuis le début de la pandémie. Alors, je vous souhaite la paix, la bonheur dans ces temps assez difficiles. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le maire de Montréal-Ouest. Alors, à mon tour, avant de vous quitter, permettez-moi de vous réitérer mes vœux à mon tour. J'aimerais d'abord remercier le personnel du greffe. Donc, M. Saint-Don et toute son équipe qui ont su s'adapter dans toute cette année qui vient de s'écouler, pour ne serait-ce que pour le dépôt des documents et l'insertion des amendements qui ont été faits de façon virtuelle, qui se faisaient pas de cette façon-là autrefois. Merci aussi au personnel de soutien technique, alors pour leur patience, leur compréhension, particulièrement pour le dernier conseil de ville qui a été assez difficile techniquement parlant. On a eu beaucoup de difficultés, de bris de système, etc. Alors, ils ont fait preuve de patience, de compréhension et ils nous ont beaucoup aidé à ce qu'on puisse s'adapter dans cette nouvelle façon de faire. Et je dirais que Noël, c'est pas Noël qui est annulé cette année, c'est vraiment seulement les rassemblements. Donc, mais le temps des fêtes, ça demeure quand même un temps pour la famille. Alors, j'espère que vous pourrez prendre contact avec tous les membres de vos familles respectives, même si vous ne pouvez pas les rencontrer en personne, mais je vous souhaite de quand même communiquer. Il y a tellement de façons maintenant avec la technologie, on peut quand même se voir, se rencontrer, même prendre un souper de Noël via la technologie. Et pour 2020, je vous souhaite évidemment joie, bonheur, douceur, espoir, beaucoup d'espoir pour 2021. Et je vous souhaite des câlins et des colleux parce que je pense qu'on est tous en manque de pouvoir se serrer. Et en 2021, ça sera une reprise de ces moments. On appréciera peut-être davantage ce qu'on avait pris pour acquis et qu'on a été en manque pendant toute l'année 2020. Alors, passez de très joyeuses fêtes et soyez prudents si vous prenez la route. Merci beaucoup. Merci de votre précieuse collaboration.